Bonjour à tous. Alors, vous l'aurez remarqué, on entend un léger bruit de torrent. Et oui, nous sommes à proximité de la cascade du Pain de Sucre dans le Bugey Sud, dans le département de l'Ain. Alors, pourquoi nous sommes dans cette région? Eh bien, tout simplement pour découvrir la vie du renard. Et pour ce faire, j'ai fait appel à un spécialiste, un photographe animalier professionnel. Je veux nommer Didier Girard. Suivez-moi, je vais vous le faire découvrir. Didier connaît son territoire comme sa poche. Il l'arpente toute l'année avec discrétion. Chaque indice est pour lui une précieuse information. Cet hiver, il a laissé le renard venir à lui. Et dès notre première sortie, nous avons croisé que sombre qui remontait la prairie. Pour être encore moins visible, avec Didier, nous passons en mode affût. La nature, soudain, s'anime. Queue blanche, la renarde, nous confirme que le renard a une activité diurne importante quand l'homme se fait discret. Le renard, pour se nourrir, passe d'ailleurs plus de 30% de son temps hors de sa tanière. Il peut ainsi éliminer plusieurs milliers de mulots et de campagnols par an, devenant par là même un très bon allié des agriculteurs. En effet, les prairies que nous observons n'ont aucune motte de terre, si fatale aux outils de fauchage. Ceci est dû au travail de mulotage du renard. Et l'agriculteur avec qui nous avons discuté en est pleinement conscient et protège le renard de son secteur. Mais depuis plusieurs jours, les renards se font rares et surtout,
les renardeaux qui devaient sortir de leur terrier, d'après nos estimations, sont absents. Nous ne les voyons pas. Didier s'en inquiète. Mais le travail du foin vient nous rassurer. Il est propice au mulotage des renards et pour nous, à leur vision. Comme le chat sauvage, nous veillons derrière notre affût avec une nouvelle espérance. Puis, les renards réapparaissent, ils se réapproprient les prairies. Ils ont tous leur territoire, qui quelquefois se chevauche, et la plupart du temps, ils ont aussi leur chemin bien à eux, qu'ils arpentent et marquent de leurs urines. Ici, Queue Blanche, notre renarde, remonte le sien et rejoint son terrier. Elle le fait avec beaucoup de prudence. La nuit nous révèle que le renard cohabite avec les blaireaux dans les mêmes terriers. Les blaireaux habitant dans les terriers inférieurs et les renards se réservent les terriers supérieurs. C'est assez fréquent dans la nature. Après 54 jours de gestation et 4 à 5 semaines dans leur terrier, enfin, les renardeaux sortent explorer leur environnement. Quelle émotion de les observer, si fragiles et si innocents, découvrir leur nouveau monde.
Comment ne pas rester sensible à la beauté parfaitement intégrée de ces renards adultes, à la recherche de nourriture pour eux-mêmes et leurs petits? C'est un vrai choix en ce qui nous concerne, de célébrer la beauté du vivant et que nous, humains, nous nommons sauvage. Assister à ça nous ramène à l'incroyable prétention que nous avons à penser que le renard est plus nuisible que nous sur ce bout de terre. Ce n'est plus de l'indifférence au monde qui nous entoure, mais une forme de négation aux antipodes du vivant. Donc on a parlé plusieurs fois de mulotage. Là Didier, c'est en train de rentrer. Bah là t'as trois mulotages bien frais en plus qu'on vient de faire ce matin, tu vois, parce que la terre est pas encore tout à fait sèche, elle est encore bien humide. C'est très frais, c'est des petits trous quoi. Et ils ont creusé, on voit le tunnel, on sent le tunnel à la main là. Oui, parce que regarde, toi, t'en le tunnel, ça débouche ici. T'as encore un trou là. Voilà, donc là trois jolis trous. Il faut savoir qu'il y a un mulot ou une musaraigne où ça te fait des trous. Il y a tout un champ de galeries là. Sur 5 mètres carrés, t'as des galeries partout là. Donc à mon avis, le renard il vient, hop, il stagne, il bouge plus, il attend, il écoute les vibrations, tu sais, dans le sol, avec les pattes, il saute quand il peut quoi. Il saute. Alors de temps en temps, bah, il loupe parce que là tu vois, il y a trois trous à mon avis. Donc il a creusé trois fois pour en avoir un peut-être. Je pense que oui, c'est sûr, pour en avoir qu'un quoi. Mais après, voilà, est-ce qu'il l'a eu ça? D'accord. C'est le seul, tu sais. Puis lui aussi. Voilà. Donc moi, ce que j'ai appris de toi, ce renard, c'est que ce champ, il est vraiment tip-top pour... Ah oui, il y en a, ça... partout. Là. Pour du mulot. Ouais, ce que j'ai appris de toi, c'est que sans mulotage, pour toi, c'est pas une zone active, c'est pas une zone où il y a du renard, c'est pas la peine d'y rester, quoi, quand il n'y a pas de mulotage. Quand t'as plus de mulotage, c'est même pas la peine de rester là. Voilà. Et donc, par contre, du mulotage, ça c'est une belle trace. Ça c'est. Avec les crottes. Surtout quand c'est frais comme ça, tu sais que c'est du passage. Et là c'est frais de ce matin, là, oui. Regarde, c'est remis. Alors, à mon avis, si tu fais tout le champ, je pense que tu trouves beaucoup de traces de mulotage, quoi.
Donc voilà, voilà une c'est belle trace. On va dire que c'est le garde-manger là. Le muletage, effectivement, c'est le garde-manger du renard. Voilà. Ouais, je sais pas si c'est un renard en plus. Là, ça ressemble, mais tu vois, il y a l'air d'avoir des. Il y a l'air d'avoir des déjections donc, quand même. Oui, il y a des petites graines parce qu'il mange des baies. Toi, tu as de la baie, tu as de la baie. Oui. Il y a l'air d'avoir 2-3 poils là. Oui. Donc, tu vois, ça, là, ça. C'est de l'animal, c'est des baies. Ça, c'est vraiment renard quoi. Oui, c'est du renard ça. Ah oui, c'est sûr. C'est voilà. sûr et certain. Donc voilà une belle crotte de renard ouais. Avec des poils qui montrent qu'ils ont mangé de la viande et des graines. T'as des graines, ils ont graines mangé, de baies. Ils ont mangé des baies. Voilà. Voilà. Donc là, typiquement, vous avez une crotte de renard. Ouais. Et Didier, les crottes, c'est important. Parce qu'au début, il démarque une par une sur un plan pour repérer... le territoire et les passages. Bah après, donc, c'est un méticuleux, hein, Didier. Après, avec ça, en fait, tu te fais un quadrillage sur ta carte et ça te donne. Un quadrillage sur la carte pour ça te donne, marquer toutes les crottes. Ça peut te donner le territoire, en gros. Et repérer. Et si après, avec ça, tu as les crottes, les terriers qui sont. Ça sent fort. Je peux vous dire que je suis dehors, là, je sens fort. Après, ouais. Après, tu repères les terriers, et puis avec les terriers, les crottes. Ouais. Et puis s'il y a un point d'eau dans le coin, voilà quoi. Un point d'eau, des crottes. Des traces de muletage. Les traces de muletage, alors ça, faut voilà. On arrive à en trouver. C'est comme ça qu'on trouve du renard. Il a une belle crotte un peu écrasée, mais à la remuer, on voit tout ce qu'il y a dedans et on sent l'odeur en plus. Ça sent très fort. Hein. Ça, c'est costaud. Hein. Il est 5 heures ce matin et à notre grande surprise, nous arrivons trop tard au champ. Les renards occupent déjà les lieux, alors nous décidons de rester sur le sentier à l'abri de la haie pour être le plus discret possible. Pendant 1h30, nous allons assister à la chasse aux campagnols de ce couple de renards. Nous savons qu'ils ont à nourrir plusieurs renardeaux qui, en fin de croissance, nécessitent 900 grammes de viande par jour. L'abondance des renards sur un territoire dépend en partie de la disponibilité en zone refuge et en ressources alimentaires. Le renard roux fait partie intégrante des écosystèmes. Il participe à l'équilibre entre les espèces et prend toute sa place dans la chaîne alimentaire. Ici, en prédatant des petits rongeurs des prairies, souvent porteurs de tiques, il régule indirectement la maladie de Lyme en réduisant les transmetteurs de la bactérie Borrelia, que sont ces petits rongeurs. En France, on estime à plus de 80 000 cas par an les maladies de Lyme déclarées, ce qui en fait la maladie vectorielle la plus répandue dans l'hémisphère nord. En cela, les renards ont aussi une utilité. Ce matin, nous comprenons que le couple est constitué de deux queues blanches. Queue brune était donc un intrus. Le renard est un habile chasseur. À plus d'un mètre, à l'oreille, il entend le rongeur dans sa galerie souterraine et identifie l'origine du son au degré près.
L'adulte revient chercher sa proie, cachée dans l'herbe, et se dirige vers les terriers où s'abritent les renardeaux. Mais au préalable, il inspecte les environs pour être certain de ne pas trahir l'emplacement des petits renards au regard des prédateurs. Après le repas, l'adulte s'éloigne et repart à la chasse. Nous retrouvons les renardeaux il y a un mois que nous n'étions pas revenus à proximité de la tanière. Deux seulement sur les quatre ont survécu. La régulation du renard ne semble pas avoir besoin de l'homme. La nature s'en charge. Les jeux des deux renardeaux semblent être des simulacres de futurs gestes de chasse. Insouciant, il nous offre ce spectacle infini que nous pourrions regarder jusqu'à la tombée de la nuit. Thank you.
À 2 mois, les renardeaux ressemblent de plus en plus à des renards adultes. Ils vont bientôt quitter la zone des terriers pour suivre les parents et apprendre le minotage, et ainsi commencer à se nourrir par eux-mêmes. Après un long affût de 6 heures, et alors que les renardeaux ont rejoint les hautes herbes depuis longtemps, nous décidons de quitter notre cachette. Et à notre grande surprise, sous le regard tranquille de la chevrette et de son jeune, ce matin, il est 7 heures quand le renardeau le plus hardi se décide à sortir et à débuter sa matinée de chasse. Pour l'instant, son petit déjeuner solitaire se résume à chasser le papillon et la sauterelle, des insectes. Mais dans quelques jours, voire quelques semaines, il ira chasser le mulot ou le campagnol pendant tout l'été. À l'automne, voire au début de l'hiver, il partira de sa zone de naissance pour aller conquérir son propre territoire. Et il peut parcourir quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres pour trouver un espace où créer sa nouvelle famille. Il est temps maintenant pour nous de laisser ces animaux trouver leur chemin et nous le nôtre.